Toujours dans le processus prolongé prolonger avec équation Et numéro 13, c'est réduction du phénol par le zinc. Phénol préparé. Phénol préparé. Benzène. Benzène préparé phénol. Si besoin de préparer benzène à partir de phénol, c'est réduction. Phénol, c 6H5OH plus ZN. C'est mode de préparation du benzène. c 6H6 plus ZNO. Et ici, si je fais réduction du phénol par le zinc. À, à partir de phénol, je prépare benzène. Même des cas préparés phénol à partir de benzène, si je prépare, je fais oxydation du benzène. Oxydation du benzène. Benzène, c 6. H6 plus O2. Ça donne C6 H6 C6 H5 OH. Elle dit que, je vais préparer phénol. Avec benzène, je vais préparer phénol. Et avec phénol, je vais préparer benzène. Nous tout fait tout deux équations. Maintenant, on va, on va parler maintenant de la nitration. La nitration, c'est l'action de l'acide nitrique sur le benzène ou encore l'action de l'acide nitrique sur le méthane. Un, on va faire d'abord la nitration du méthane. Dans la nitration du méthane, le méthane en CH4, on met CH3 liaison H, plus l'acide et, et nitrique qui c'est, on met OH à liaison NO2. A noter que le mâme décomposé acide nitrique et HNO3 mâme décomposé en OH liaison NO2. Maintenant. Équation. Ici deux cosaos c'est tout formé qui c'est HOH la formule de l'eau. Qui ça m'a été maintenant? moi été c'est CH3 liaison NO2 la nitration du méthane ça donne nitro méthane. Tandis que le bref nitration benzène, la nitration du benzène action de l'acide nitrique sur le benzène. Équation, ça, c'est une équation qui est en trois étapes. Dans la première étape, je prends C6, H5 liaison H, plus OH liaison NO2. La nitration du benzène, c'est une réaction de substitution. Maintenant, je vais remplacer H à chaque fois. Ça donne HOH, plus C6, H5 liaison NO2, il li fait en première fois. Équation, il fait en deuxième fois? Ma prend ça. C6 H5 liaison NO2 plus encore OH liaison NO2. Yon H a sorti pour le bon moins encore HOH plus C6 H4. Maintenant NO2 pris deux fois. Maintenant nous décisser dans 3, 3, la -e dans trois. Mwen pren C6, H4 tan NO2 pri 2 fwa, plus ankor OH an liyezon NO2, yon lot H sorti pou fwome HOH an plus C6, H3, NO2 pri 3 fwa. Premier kor a se mononitrobenzen, dezem nan se 1,3-dinitrobenzen, Et ici, c'est 1, 3, 5 trinitro-benzène. Mononitro-benzène, 1, 3, nitro 1, 3, 5 Tandis que, là, on va de sulfonation. La sulfonation du benzène, c'est l'action de l'acide sulfurique sur le benzène. Acide suffixe, c'est H2SO4. Je vais décomposer en OH, liaison SO3H. Chaque fois que je vais mettre suffixe, c'est comme ça que je vais Maintenant, le benzène, c 6H5 liaison H. C'est comme si je décris C6H6. Plus OH liaison SO3H. Ça donne HOH. Plus, ça crée maintenant, c'est c 6 H5, liaison SO3H. On prend maintenant C6, H5, liaison SO3H, plus OH, liaison SO3H. Ça donne HOH, plus C6, H4, SO3H pris deux fois. Et on prend maintenant C6, H4, SO3H pris deux fois, plus OH liaison SO3H, donne HOH plus C6H3, SO3H pris trois fois, acide monosulfoné, monosulfoné et benzène, disulfoné benzène, trisulfoné benzène. Un trois. Ici, c'est monosulfoné benzène. Un 3 eh, disulfoné benzène. 1, 3, 5, trisulfoné, benzène Et puis, on nous met acide. Maintenant, pour nous finir, nous allons parler de combustion. Combustion. Et pour la combustion, il y a deux types de combustion. Il y a combustion complète. La combustion complète, quel que soit corps, bon, moi pour exemple des hydrocarbures, quel que soit corps, ma fête combustion, quel que soit corps, je va combustion. Si combustion complète, là-bas moins, CO2 plus H2O plus chaleur. Maintenant, si par exemple, je prends méthane, CH4 plus O2, là-bas moins, CO2 plus H2O plus chaleur. Ici, 4, on met 2. Et 2 plus 2, 4, ici, c'est 2. Si par exemple, on prend C2H4 plus O2, ça donne CO2 plus H2O plus chaleur. Maintenant, 2, 4, 2 fois 2, 4 et 2. 6 et ici on met 3. Quel que soit le corps, ma réaliser combustion. Début, on dit, c'est combustion complète, là-bas, moins CO2 plus H2O. Maintenant, si la combustion est incomplète, si la combustion est incomplète, on prend un hydrocarbure quelconque en plus O2, ça donne C. Plus un H2O. Par exemple, si on prend le benzène C6H6 plus O2, ça donne C plus H2O. Et 6, 6H, et ici on met 3. Et ici 3, on met 3,5. Maintenant, si par exemple on prend acétylène C2H2 plus O2, et la combustion est incomplète, ça donne C plus un H2O. Et ici, 2. 2H. 2. Et ici, 1. 2. est veut dire qu'il y a deux types de combustion. Là, nous parlons de deux types de combustion. Nous parlons de combustion complète, 4 moins co 2 plus H2O. Nous parlons de combustion incomplète, 4 moins 2 et C plus H2O et dépôt de carbone. So, je j'ai tout dit dès le commencement toutes équations ça là c'est des équations qui extrêmement important pour un élève qui parle composer dans le baccalauréat un élève vous avez besoin pour suivre toutes équations ça au besoin pour répéter toutes équations ça pour être capable de connaître pour être capable interpréter mm -hmm. nous parlons de réactions, de nous parler de différence entre hydrolyse et, carbure d'aluminium et carbure de calcium. Carbure d'aluminium, hydrolyse de carbure d'aluminium, ni permet moins préparer méthane. Hydrolyse de carbure de calcium, ni permet moins préparer acétylène. Nous parlons aussi de hydrogénation. L'hydrogénation, nous faisons hydrogénation, c'est l'action de l'hydrogène sur certains corps, nous été utilisé Benzène, hydrogénation du benzène, ça donne du cyclohexane. Nous fait hydrogénation de l'éthylène qui est ben moins éthane. Nous fait hydrogénation de l'acétylène en deux temps. Nous parlons de hydrogénation totale et hydrogénation partielle. Nous faisons action du dichlore sur le benzène qui est ben moins hexachloro-cyclohexane, Addition. Nous fait addition du dichlore sur l'éthylène qui va ben moins dichlore Nous fait addition du benzène sur l'acétylène qui va ben moins d'abord dichlore éthane puis tétrachlore Nous fait réaction de et nous fait action de l'éthanol avec sodium, action de l'éthanol avec acide acétique. So, façon pour nous de faire différence entre éthanolate de sodium et éthanolate de sodium. Nous parlons de l'acétylène. Nous fait craquage du méthane qui bat moins acétylène. Nous fait trimérisation de l'acétylène. Nous disons deux types de, type de trimérisation. La trimérisation cyclique qui bat moins benzène. Tandis que la trimérisation linéaire qui bat moins divinyl acétylène. Nous fait action de l'acétylène, ça les groupes vinylio. Nous fait action de l'acétylène sur HCL qui bat moins chlorure de vinyle. Action de l'acétylène sur HCN qui bat moins cyanio de vinyle. Action de l'acétylène sur l'acide acétique qui va ben moins acétate de vinyle. Nous avons parlé aussi de réaction de dimérisation. Dimérisation de l'éthylène qui va ben moins un butène. Nous faisons dimérisation de l'acétylène qui va ben moins monovinylacétylène. Et nous fait dimérisation de aldehyde, non aldéhyde, nous avons choisi éthanol. Nous connaissons dimérisation de car carbone aldol. On aldol, sont composé qui gagne deux fonctions. Qui gagne une fonction aldéhyde, qui a une fonction alcool. Mais l'alcool, c'est se l'alcool secondaire. Nous faisons dimérisation de non cétone, nous te prenons un cétone. Nous connaissons dimérisation de non cétone, là-bas, cétol. Cétol, c'est un composé qui a encore deux fonctions. En fonction alcool et en fonction cétone. En gros, c'est toute équation, ça, on nous est nou préparé. Nou J'espère à chaque fois que vous avez toujours gardé l'équation avant de composer. Et mon presque sûr déjà qu'on une l'équation pour le composer dans le baccalauréat. Merci.